Bonjour tout le monde, c'est avec un pile plaisir. Je dis à encore, Prévigil, rentrer la caillou, puis on l'autre émission. Je dis à nous porter pour yon autre texte, comme d'habitude, et avec yon invité. Yon invité qui passait de présentation. C'est vraiment maladroit de ma part si je t'ai présenté invité ça parce que il fait trop de bagaille dans la musique là déjà. Mais, comme des petits moun qui pral suivre l'émission ça, qui pas connaît moun ça, m'a juste fait une brève présentation pour me dire nous qui est ce moun ça. Lui, c'est un batteur très confirmé depuis l'âge de 13 ans et c'est un autodidacte. C'est lui-même qui apprend tête li jeu batterie. Son chanteur, percussionniste, ingénieur de son. Producteur, il produit en pile artistes, artistes haïtiens tant qu'artistes à l'étranger. Et puis, lui-même, il est directeur festival international de Port-au-Prince et c'est moun qui a fait en pile promotion pour sa nouvelle jazz. C'est un compositeur et en même temps, c'est figure emblématique du groupe Zeclé. Mes amis, moi, je voulais parler de Joël Wid Mayer. Joël, bonjour, comment allez-vous? Non, forme, merci beaucoup pour recevoir la caillou là, causer là, parce que ça fait mon pile plaisir. On fait une petite discussion, nous allons faire là, et puis nous allons parler. Parfait. Et émission ça m'a dédié spécialement à Carlo, Ludovic Faeton, qui sont timoun, mais qui levaient cap tendez. Zeclé, qui sont fanatiques Zeclé 100%. Fanon Junior, qui sont fanatiques Ah. Zeclé. Guichard Cheristal, Rock Eden, Bonnet Louis Marc, Midley Derival, Ralph Bonsi et Pascal Brignol, deux Mounzao, c'est eux-mêmes qui ont essayé de jouer un contact pour émission ça, lui-même, lui possible. Moi, dédié émission ça à Mounzao. En 1993, Zeclé sorti un album qui relait Sans mêler. Et album ça a été gagné 17 musiques là-dedans. Parmi lesquelles, nous gagnons Adje, Sans mêler, Makaya, Chanter l'amour et Pitoun pa d'zanmi. Et jodi a, ensemble avec Joël, nous pral essayer ouais, ce qui ça t'a passé en dans tête Joël, l'elle t'a écrit Pitoun pa d'zanmi. Parce que des fois, artiste là, il écrit un bagaille. C'est résumé ce qui passe dans la tête l'IA, l'IA écrit pour nous. Mais je dis, nous avons des chances dans Prévigil, nous pouvons attendre ce qui passe passé dans la tête Joël. Joël, vous commencez à écrire texte là comme ça. Farina est l'appli sous sa paix furcie. Ou ap marché pour entrer. Moi, campé, m'ap gade ou. Bouya tap caressé ou. Glo tap courir dans géo. Mais qui ça qui a passé ou? Vini raconter zanmi. Mes cheveux ont tout mouillé. Ti kor tap tremblé. Ou kouri vin kembem. Oh, ou t'es si belle. N'a remarqué que nan strophe ça, c'est un septet. Un septet, c'est-à-dire que c'est un strophe qui est composé de sept vers. Et vers yo, c'est vers yo libre et à rime plate. Et puis nous joignons anaphore dans vers 5 et 6, les li commencé vers là avec le mot mais. Mais qui ça? Mais cheveux. Donc, les nous retrouver mot mais à plusieurs reprises au début de même de strophe là. Donc, nous relaissons anaphore. Et puis, gagner une assonance en A, dans vers 1, rivé juste dans vers 5. L'elle dit que farinaï, sapin, mâché, map, gade, brouillard, tap, caresser, tap. Donc, nous trouvons le son A à plusieurs reprises. Donc, c'est un anaphore. Et puis, c'est une assonance, excusez-moi. Et puis, il y a l'autre assonance en nous, dans toute strophe-là. L'elle dit sou, pou, ou, gade ou, brouillard, ou, jé ou. Donc, nous trouvons le son O. Et puis, il y a l'autre allitération qui est assez intéressante, qui est allitération en K. Dans vers 5, là. L'on dit, mais qui ça? Cap
rencontrer. Donc, nous trouvons son cas qui répétait trois fois. Donc, c'est un bel bagage. Et puis, il y a, en fait, une personnification dans vers 4 là. L'elle dit Bouya t'a caressé. Donc, il personnifie Bouya pour Bouya capable de caresser mon caresser dame ça. Donc, c'est une personnification. Maintenant, Joël, question moins gain pour vous. Est-ce que Fursi, c'est source inspiration pour t'écrire texte ça, ou soit c'était une histoire vraie qui t'est passée à Fursi? Bon, pour te dire honnêtement, et non, c'est pas une histoire vraie, c'est une histoire que m'imaginer, mais penser que probablement dans tête moi et peut-être quelque part c'est une certaine vérité là-dedans, j'imagine, je sais pas. Mais Fursi, au fait, tu es toujours à notre époque, nous-mêmes, les jeunes petits garçons des années 70, dans le monde Fursi, c'était toujours un lieu très romantique pour les jeunes haïtiens, montés à l'époque, tu as pas le Fursi, tu as pas le vacances Fursi en été. C'est tout l'espace romantique, tu as le monde des ménages, tu as le monde du cheval, tu as passé une journée Fursi. C'était vraiment toujours un trip que tout le monde jeune était fait, qui était toujours une rencontre, qui était liée à une rencontre de jeunes filles, mais des amis. Donc, il était un côté, une connotation peut-être romantique là-dedans qui fait que peut-être j'ai choisi Fursi et voilà, peut-être bah, on est sous la pluie, d'imaginer des scènes. Là. Au fait, c'est ça, mais c'est créer une ambiance à travers l'espace-là qui était Fursi et puis temps qui était à la pluie, donc si j'en fais frais, évidemment, pour Fursi à la montagne, il fait froid. Donc voilà, c'est ça que j'ai créé la première partie, ça, set the mood, comme on a dit, et créer ambiance là. Nous rentrer dans l'ambiance là. D'accord. Et puis dans vers 6 là, on dit que mes cheveux tout mouillés, ton corps t'a tremblé. Généralement, nous-mêmes, est-ce que lors du ton corps, est-ce que c'est une description physique de fille à faire pour nous-mêmes, pour nous gabouer de qui elle soit parlé, ou bien est-ce que c'est un bagage qui est Jean Haïtien Remain qu'on dit là qui est très culturel à tes amis, tes mains, regardez tes mains, est-ce que qui est-ce que nous capra, est-ce que c'est une description physique ou bien li culturel lors du petit corps? Ou faire même micro là, ou faire même micro là, m'pas tendez où. Ah oui, désolé. Mais pour compter le chemin, désolé. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc, si quand t'as tremblé et... Bon, moi-même, en général, j'aime les petites femmes bas, mes petits gros, qui grands de grande taille. Moi, les petites femmes, imaginez une fille à tes menus, une petite jeune fille menue, belle, et... Si quand les tours un petit peu tout frêle, c'est pour sensibiliser, peut-être, auditeur à mon capitaine Déa à mon qui petit de petite corpulence et qui était mon petit frère cheveux mouillés. Donc c'est encore une fois de set de monde créé fait sensibiliser mon auditeur attendait le plus en plus par rapport à ça me va développer après. OK, à bien comprendre. Donc c'était en description physique que le tailler par rapport à goût pour femme. Tout à fait. Parfait. Bon, vous comprenez quoi ça? Bon, bah, on est... Le m'a écrit une autre pensée à tout le monde, c'est après qu'on y a une deuxième question, j'ai réfléchi, pour qui ça me décrit ça, pour ça, pour qui ça me choisit ça. Il y a bien plus que 20 ans qu'il m'écrit ben, oui. Ça. Oui. M'a réfléchi. Et puis, le m'a écrit, m'a réfléchi à toutes belles analyses qu'on fait de détails poétiques. Que tu as regardé tout à l'heure, le premier strophe-là, et je n'ai pas réfléchi à tout ça. Je n'ai pas vraiment un auteur, moi, c'est un compositeur, pas vraiment un auteur, c'est des rares textes que je composé, pas en pile, et donc je n'ai pas réfléchi à tout ça. L'homme composé, l'ivini naturel de trois premières fois. Ce n'est pas facile d'écrire des textes, c'est très difficile pour moi. Bon, c'est lui aussi, il y a un pilote musique que je fais, c'est lui aussi, là, ma petite travaille sur, mais écrire des textes, c'est très compliqué. C'est pas évident et pour moi d'écrire des textes comme ça avec des gens qui écrivent des textes bloom, je commence à écrire mais même il prend pas le temps pour me mettre si je commence même deux ou trois premières phrases bon c'est ça devient plus facile me capte j'ai une idée, j'ai un concept là, j'ai un mood là, j'ai une histoire là, j'ai un
qui ambiance qui me mettait mon nom, qui ambiance moi-même moyen déjà, tu vois. Donc voilà. Donc okay. Voilà, tout ça pour te dire que je ne suis pas vraiment un professionnel dans l'écrit texte, je ne pas considéré du tout comme un auteur, mais bon, ça m'arrive de m'écrire des textes, des rares que m'écrit. Ok. Et puis, dans vers 7 là, toujours dans la même strophe là, on dit que, oh, où t'es si belle, mais ses amis, ou son monde nous connaît déjà. Donc là, moi, ma quelque, c'est comme si on fait un pléonasme. C'est ou insister, pour ça ou insister et qui importance pléonasme a gagné vous. Bon, pléonasme et oh, t'es si belle, même si son ami ou mon corps est son ami ou son ami fille, son ami lié ou cap même qui belle fille ou belle monde. Ou qu'on connaît que le bel, même ses amis, ou qu'on admet que le bel, et qu'on est quand même fait des compliments, et on va sortir avec un semaine à un ami, on dit, oh, je dis, oh, belle, je suis belle, on dit, ah, on est, on va faire des compliments. La beauté, c'est quelque chose qui bon, même si ses amis, on va décrire beauté, là, tu vois. Ouais. Et plus, alors, ce qui arrive quand même, c'est qu'on dualité, c'est qu'on lutte la qualité entre les amis, là, que le remet en ville comme les amis, mais aussi que fille, que le plus en plus remet, comme mon fils que le gars mais il voit que le gars remet fille. Donc ouais. Entre l'amour et l'amitié toujours c'est une très fine et c'est très proche l'une de l'autre, il y a pas grand pile différence entre l'amour et l'amitié sauf c'est un amour mais il y a gogo au cap qui vient côté sexuel qui dedans et il vient plus charnel, il vient différent mais l'amitié est très très très, très fort et très en pile affection, en pile tendresse, l'amitié sera arrivée ou l'amitié aller jusque là. Donc, développer un petit peu plus que ça, poser peut-être des propres questions pendant que la vive saintement. En fait, c'est ça, il fait histoire ça. C'est pendant Monsieur la vive histoire là en live, les avec Fia, il m'a réalisé que waouh, c'est tellement belle, Fia, on sent. Et le fur et à mesure, il m'a réalisé, j'en ai mes Fia, que sont en fait les plus remèles que vraiment comme amoureuse, comme ménage, que t'as comme amis, quoi. Ouais, d'accord. Et puis, dans la deuxième strophe là, on dit que amis ont attendu où? Qui te kè au palais. Bien depi, nous tout petit, parole nous ini. Kon sa la raconte, sa ménage li a fait le passé. Yo san lè kase, mais li pa ka la gèl. Depi le palais de li, c'est nan mwen kap soufri. Si mte nan place li, bel nan mou tap fleuri. Donc là, nous voyons que c'est un sixain qui compose. Voilà. Qui composé de vers voilà, libre monsieur... avec une rime plate, vas-y. Oui. Vas-y. OK. Et puis, il y a une allitération en L au vers 3 et 5. L'on dit, la ménage li fel, yo san le, men li la gel. Et puis, palem de pil, palem de li. Donc, nous, il y a une allitération en L. Et il y a une assonance en A, dans vers 3 et 4, et encore une assonance en nous, dans vers 1 et 2. Et puis encore, il y a une autre personnification, dans vers 1, l'on dit quitter cœur au palais. Donc, on prend cœur, on transforme l'amour net comme un organe, on met l'amour net, on dit quitter cœur au palais. Donc, quand on ne peut pas parler, c'est un monde qui a parlé. Donc, l'effet ou abtandel, c'est déjà pour moi-même. Yon souffrance soit infligé tête tout. Est-ce que dans souffrance ça li fait en même temps ou trouver en même temps yon bien-être là-dedans? Parce que ou tant des amis, ou fait du bien et en même temps tout a fait tête tout on du tort parce que la raconte yon bagay qu'on pas vle tandis. Est-ce que dans mal ça li pas gon bien en même temps pour même bien-être en soi? Oui, tout à fait, c'est une grande confusion qui gagne. Alors, je dois te dire que bon type mes amis ont attendu au qui t'es qui a parlé mais depuis nous tout petit, c'est pas bien. Ah OK. Mais depuis mais c'est bien mais depuis nous tout petit parole nous unis. Merci. Quand ça l'a raconté, mais ça ménage à faire passer
yo sen le kase me li pa ka lage. Depi m pale m de li, se kem kap soufri, si m de la plas li, se bel la mout Afrik. Bon, se kon gwo konfuzyon la ka, li ke la viv justement fia li, se son konfidant, li mette tete konfidant pou fia li di rakonte, mi sa kap pase ki problem gwa menaje, paske se zanmil. L'habitude à raconter de l'histoire, des problèmes qu'il y a avec là ou pas, des bons moments ou des mauvais moments. Et là, bah, très difficile, je s'en est cassé, monsieur l'a expliqué que voilà, il y a des grands problèmes, que ça va passer, mais ça le fait, etc. Je ne sais pas, whatever it can be. Et lui, il est tout oui, il a plein de filles, mais en même temps, monsieur, au fait, tu as souhaité que ça va passer bien finalement pour que lui-même n'y prenne place là. Mais en même temps, tout, lui, pour faire ça fait le mal, que lui, fier a souffri. Que ménage, que le connaît, que le fille a aimé, et ça fait fier du mal. Donc, c'est un paquet de dualité, c'est un paquet de conflit qui rentre dans le personnage là, que nous sommes vivants. Donc, c'est très difficile pour lui de. Mais il n'est pas empêché d'être ouvert à fille pour l'expliquer le problème. Yo, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, ça va passer, qui problème là. Et nous sommes tendés vraiment, et nous sommes vivants là, mais avec deux cœurs, j'en dis, avec deux cœurs. Autant là, ça fait monsieur souffrir, ça fait le mal, mais en même temps, ça fait mal pour fille. Et en même temps, tout, back in his head, monsieur dit, yeah. Peut-être, si ça va marcher, peut-être lui-même, lui-même pour le suppléer, pour peut-être prendre place là. Bon, c'est une grande confusion dans sa tête, donc c'est pas facile pour lui. Quoi. Et puis, dans la troisième strophe là, qui c'est la dernière strophe là, la pluie fine tombée, la nuit met tes pieds, Zandolitio prend chanté, l'île est pour aller. Chaque fois que pour l'aller, c'est qu'elle m'a kembé. Pour bouche moins pas chapé, pour parole là pas parler. Nous t'as soulagé si me dit, mais comme ça, moi pas qu'à pédil. C'est lui, puis bon ami, l'amitié trop fragile. Yon six, hein? Belle parole, hein? Ah, c'est n'est qui comme file femme, belle bagaille. C'est vraiment fort. Philippe, il y a même pas très fort là, l'homme qui a dit, l'homme du jeu. Mais bon, il y a vraiment de mon imaginaire, peut-être. Un cisain qui composait le vers libre avec une rime plate. Et puis, nous gagnons allitération en elle dans toute strophe là. Elle a parlé de soulager, d'il, pédil, li. Donc, c'est une allitération. Et puis, nous avons une assonance encore dans le vers. Et 3 à 5 ont assonance en A. Et puis, il y a une métaphore dans vers 2A. Là, on dit que Zandolitio prend chanter. C'est une métaphore qui expliquait qui ça? Qui expliquait que c'est une cloche naturelle qui annonçait fin journée 1 et en même temps, il annonçait commencement la nuit. Là, on dit que Zandolitio prend chanté. Donc, la pluie finit de tomber, l'ennui te met tes pieds, Zandolitio prend chanté. Donc, la journée est finie, maintenant c'est journée et c'est nuit là qui peut rentrer et Zandolitio a annoncé bagay ça qu'a fait là, phénomène là. Maintenant, tout à l'heure, on t'a parlé de bagay qui était intéressant et c'est la question de Nanchita. De zami ak l'amitié ak l'amour dans la vie. Qui est-ce dans deux bagailles ça yo ou estimé qui très fort pour qui très fort l'amitié bon. Avec l'homme bon c'est une quoi c'est deux bagailles que ou pas même qu'à comparer parce que c'est deux approches différentes d'émotions et d'affection que liées et l'amitié c'est quelque chose d'excessivement fort et qui peut durer des années toute une vie l'amitié est sincère et fort et tout ça ainsi qu'un amour, et c'est deux formes d'expression humaine, d'émotion, d'attention, d'amour, parce que dans l'amitié, il y a beaucoup d'amour aussi, dans l'amitié. Ouais. C'est pas un amour qui n'est pas pareil, il est différent, il n'est pas charnel, il n'est pas sexuel, il n'est pas arrivé jusque-là, mais comme d'un son fil, qui, c'est son petit pont tout petit qui existait entre les deux, et c'est par contre, mais ces deux émotions qui sont très différentes quand même, que nous, tout être humain, nous fait distinction entre les deux. Donc,
Voilà, m'pas vraiment bon, j'ai des amis, j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie, vraiment pas vraiment des amis elle, il dit maintenant j'ai des amis vraiment des amis des monde qui connaît depuis très jeune que les amis avaient été comme ça et il fait tout des trajets de sa vie avec eux et bon, moi-même pas jamais pas vivre ça m'a gagné des amis très proches vraiment que me vivre des mon amitié pendant des années avec eux, très proche. J'ai des amis, sur des courtes périodes, j'ai beaucoup de connaissances. Hein, puis, moi, je me connais, bon, évidemment, moi, dans pile monde, j'ai des gens qui vraiment pile, j'ai des gens qui m'aiment que l'autre, j'ai des gens qui ont plus d'affection pour eux que l'autre, c'est certain. Ouais. Mais l'amitié, dans la forme d'amitié, j'aime que l'autre m'en a parlé, parce que m'a pas encore une fois référence à madame, l'amitié qu'on a, l'idée, j'ai des amis que j'ai, c'est comme des sœurs, c'est comme des frères. Moi, bon, j'ai des choses, même j'ai des frères. Bien sûr, mes frères, quand même, que nous très proches, et peut-être encore, on voit, c'est de l'autre émotion, c'est de l'autre sentiment. Avoir un frère, c'est différent, c'est familial, c'est sanguin, c'est tout ce que tu veux, ou car il le ressemble, baronnet, mais c'est des émotions encore différentes, c'est des formes d'amour, toutes ces formes d'amour, d'affection, d'attention qui très nuancé, tout ce qui est une Ouais. bonne nuance différente, que chacun a des nuances par eux. Et c'est ça qui est intéressant dans l'être humain, que dans une vie, dans toute sa vie, qu'il y a toute qualité, nuance émotionnelle, ça, yo, que nous mettons chaque dans nos folders, nous mettons chaque dans nos boîtes différentes, et nous avons vraiment fait distinction de chaque. Et c'est vraiment intéressant, il faut voir que bon, l'émotion humaine qui a vraiment démultiplié dans différents êtres et différentes façons d'être et différentes façons de réagir par rapport aux émotions, à ces émotions et comment transmettre les émotions, recevoir les émotions des autres et comment transmettre aux autres. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, l'homme dernier, bon, si vous retournez sous Texas, la pif tombée, l'homme met tes pieds, sans le Dieu préchanté, mais il est pour aller, évidemment, mais c'est fait. Comment le temps a passé pendant la journée, vous discutez, parlez, et la pif tombée, il est pour aller. Et voilà, donc le temps de Dieu commence à chanter, qu'on est dans la montagne ici, 15 coffres ici, 10 anolites, tu as chanté. Et les anolites, au fait, ce ne sont pas des anolites, les anolites, ce sont des petits crabes, tout petits, 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 ou des rainettes. Moi, j'ai Ouais. appris à comprendre ce que c'est, ce sont des rainettes. Et il fait. Donc, c'est ça, nous, les anolites, qui ont chanté. Mais au fait, voilà, des bruits, mon soleil a commencé à coucher, commencé à chanter. Moi, ça, j'ai déjà marqué un autre temps dans la journée. Donc, début, quand c'était à l'époque, au début de la minute, mettez pieds, tout le monde était là, caillou. Bon, c'est les bonnes manières de l'époque. Donc, c'est sûr, la minute, mettez pieds, il est pour aller, donc c'est sûr que je suis à l'entrée. Mais il dit, mais chaque fois, il vient pour aller, et chaque fois, imagine, ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait, il y avait des situations pareilles, qu'il a dit qu'il avait le temps, la nuit tard, et bon, ben, voilà, tombé la nuit. Et chaque fois, il vient pour aller, c'est que la Bekembe, pour parole, la parole, pour monsieur. Parce que monsieur très envie d'y faire, ça le sentit, ça qui émotion le gagne pour faire. Tout à Monsieur, fait. il ça brûle à l'intérieur de À lui, l'envie d'y l'intérieur. faire. Mais il n'est pas qu'à d'y faire parce que, au fait, le jour que, ou en relation avec, comme on imagine, un bon ami, ou que du bon ami, encore remel d'amour, de remel de manière charnelle, de manière d'amour, bon, la relation sentimentale peut changer de tout au tout, de amitié à amour. Donc, c'est totalement notre forme d'émotion. Parce que mon âme vient de percevoir d'une manière, il vient de voir l'autre gens, il vient de voir différemment, et au moins, ouais, différemment, il voit différemment. Donc, ça peut tout gâcher ou ça peut tout arranger. Ouais. Si lui-même n'est pas drôle autant qu'au même, bon, ça peut. Il peut dire, mais non, pas du tout, pas du tout. Et les amis, on n'est pas question. Ou même, ça va te faire se casser le cœur totalement, que ou pas envie, ou pas t'as souhaité ça du tout, vous voulez que ces ménages viennent, etc. Donc, ça peut créer un gros conflit. En fait, je ne sais plutôt pas les paroles là, pour au moins toujours une fille comme amis pour qu'elle ait proche lui. Donc, c'était, monsieur, plutôt jouer tableau ça, au lieu de jouer tableau d'amour, que le t'a dit le vérité à marcher, qu'on est, ça passait, bon, toute sorte de mimes, c'est très bien, mais vraiment pile, que vraiment je t'aime, etc. Donc, je ne sais pas comment je devrais dire ça, mais très compliqué, imagine. Ouais. Donc, voilà quoi. Et donc, monsieur Pito Kébé, parti Rémen, donc ça veut dire Piton, au fait, lui, il se parle à lui-même, encore une fois, il me dit, mais au fait, Piton parle des amis. Et chérie, pour qui ça c'est où? Pour qui ça c'est où même? Et donc, Piton, au fait, il parle à lui-même, il dit, Piton parle des amis, parce que toute sa émotion, rien pour lui, envie de partager avant, en tant qu'amour, pas capable, parce que c'est des amis, en fait. Donc, moi, c'est.
c'est beaucoup de douleur en fait chez lui, beaucoup de douleur chez le type qui a vécu ça. Il y a beaucoup de rien du tout lui-même. J'imagine la fille n'est pas au courant de rien du tout. Il n'est pas comment ça va passer, monsieur, mais il n'est pas, monsieur pas même quitté l'OSA même. Donc la vive, là, chaque monde a vive émotion dans leur à l'intérieur. Donc j'imagine personne va déclarer sentiment. Peut-être fiasé d'être capable de même genre tout. Mais va dire monsieur rien, mais monsieur lui même tout, il est. Les Québécois ont fait le poulet, tout le monde Québé. C'est des secrets, quoi. Il y a des secrets, donc très compliqué, quoi. Très compliqué. M'basse, ça n'arrive à personne. Et bon, voilà. Mais malheureusement, dans la vie courante, ça c'est. Alors, ça alors c'est ce que j'ai réalisé, que ce texte, finalement, c'est la vie courante. Ça arrive à des milliers de gens, j'imagine. C'est des bails qui arrivent chaque jour. Et donc, ça fait remplir le monde. Et. Relate tout texte ça, qu'ils se retrouvent dans ce texte, ils se retrouvent, ils rejoignent Tétio dans l'histoire, ça, quoi. Tout à fait. Voilà, ceci explique peut-être le succès de ce morceau, de cette. Exactement. Voilà. Parce que il y a deux bagailles. Avouer l'amour et dire le pitole, pas des amis, c'est deux déclarations, deux situations qui vraiment, à mon avis, qui totalement différente, mais qui confus dans tête nègre là, tout qui voulait, qui pas voulait, qui voulait, qui pas voulait. Bon, mais en tout cas, ça c'est très bien. Et puis, Jean-Jean Dia, effectivement, j'ai l'impression, histoire, c'est dans tête ou lié. Fille a pas au courant. Donc, rien du tout. On fait comme Ralph m'avait dit. Ralph m'avait dit, c'est from the videos of your mind. C'est Ralph qui avait dit ça, l'idée c'est from the videos of your mind. Donc, bon, Ralph, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans les textes parce que j'ai chanté tellement de textes de Ralph avec Zéclair. Donc, il n'y a pas grand pile de monde qui explique. Bon, mais j'ai quand même quelques gens, quelques auteurs qui expliquent moi dans la façon d'écrire. C'est Sito, c'est Ralph et c'est Franck Etienne. Quoi, c'est tout le monde sérieux qui vraiment inspire avec mon papa, bien sûr, mon père. Et Abdi Woodmayer qui inspire beaucoup la manière d'écrire. Donc, au fait. Ça m'essaie, surtout dans les textes, c'est pas mon cabane, mais ça c'est sonorité, comment l'articulation, le son, la manière de chanter chaque mot, et sonorité comme phrase, sonorité ben, sauf ça, comment qui mot à placer, ben, chaque mot, son, ça m'a gagné son qui plus doux, mais son qui moins, son qui plus doux, gagné des images qu'on projeter, qui plus tendre, qui plus belle, ça dépend de qui sont les projeter. Exact. Donc moi-même, moi réfléchis en pile à ça. Sous Cabral, mon autre texte qui me fait tirer les rêves l'amour, je réfléchis en pile à des sonorités, de couleurs, de couleurs que c'est capable. Parce que mon rêve attendait à la. Vous voyez, mon imaginaire, vous voyez, mon trip avec des mots que j'ai dit. La façon que moi sonné, la sonorité des mots, je pense que la douceur de chaque mot, de sonorité de chaque mot, important dans le texte, dans ce qu'on veut écrire, dans le texte, l'ambiance qu'on veut dans le texte, c'est important. On regarde à l'inverse de Python Badzami avec Rêve l'amour, on regarde Adjie, c'est l'inverse. Adjie, c'est plus du Franck Etienne, ce côté très dur, très saccadé, très, très fort, très cru. Dans la manière d'écrire, et voilà, c'est comme tu remets en pile le Franck Etienne, donc il t'a plus expliqué de couleur ça, la façon d'écrire de Franck Etienne, qui est très fort, très cru, très, très, très réel, très, très cru, cru c'est le mot qui va plus décrire lui. Et voilà, donc Adjie, c'est plus ça que le DE, quoi, pour moi-même, et sans trop d'artifice, à direct le mot, direct l'idée, à direct le mot, et c'est même choquer les gens si on peut. Et donc voilà, donc, et Franck Etienne essaie choquer en pile par sa manière de parler et par sa manière, ben, c'est des mots que lui-même il a inventé, de tout fait que lui-même qui a inventé, ben, les tournures de phrases que c'est lui-même seul qui commence à se la dire là-dedans. Donc il bon, y a des mots qui le dit magique, il n'y a pas comprendre pour dire, au bout de temps, tout c'est des mots créoles, mais c'est manière d'agencer ces mots. Qui est très différent de façon qu'on habitue tant des mots à m'agencer l'exprès différemment pour des besoins de la musique, déjà, pour des besoins de la mélodie. Parce qu'il ne faut pas oublier, en écrivant un texte, il y a une mélodie. Il faut suivre la mélodie. Donc, il ne faut pas bousculer la mélodie, il ne faut pas tout hacher la mélodie, ou qu'à vouloir lâcher, si vous voulez, mais qu'à vouloir le trait ou tout. Donc, je pense que c'est tout un travail. Ce n'est pas évident d'écrire un texte. Je pense que c'est un travail qui n'est pas facile du tout.
et moun ki pral interpréter là en plus qu'on y a comment pral interpréter texte parce que chaque chanteur chaque chanteuse qui a senti texte d'une manière différente qui a l'interprété d'une manière différente mais auteur su que auteur dit déjà lui-même il senti que texte a déjà une couleur il écrit avec toute couleur déjà pour interpréter là donc c'est assez complexe c'est assez c'est pas évident des textes interprétation d'un texte c'est pas quelque chose de facile à chanter un texte. Et dit en plus, peut-être, bon, chaque 10 heures, chaque 10 heures de texte, à mon cap dit un texte, ou cap dit texte à là, mais d'une autre genre différent. Et puis, chaque monde fait auditeur ressentir de manière différente. Donc, chanter encore, et peut-être, c'est sur leur manière d'exposer texte là, d'exprimer texte là, et selon la mélodie aussi. Donc, tout ça, c'est très complexe et très. C'est moi c'est ça le merveilleux qui rend sur la musique merveilleuse qui rend le écrire des textes magnifiques et qui mieux réussi que l'autre c'est sûr et interpréter des textes c'est quelque chose de tout à fait et c'est pas évident des fois c'est pas évident mais aussi réussi un texte et moi c'est extraordinaire ça que fait nous même dans point virgule moi mettais émission ça sous pied même pour permettre en pile monde comprendre ça que t'as passé ça qu'a passé en dans texte aider moun yo comprendre parce que je saute dire écrire un texte c'est pas bail qui facile mais expliquer texte encore son l'autre bagage encore donc voilà maintenant en fait ce qui arrive chaque monde parle recevoir différemment chaque oui. Auditeur qui a le texte après le sentir différemment mais au fait au même baisser fait yon émotion sortie de ça ou même au sentir par rapport au texte c'est par rapport à la mélodie par rapport à la musique ou a fait le senti yon façon que ouais bagala et peut-être lui-même n'est pas pour elle comme ça gagne qu'a pour elle jongle comme ça mais chaque monde pour elle sentir de manière différente pour elle de manière différente et ça aussi c'est merveilleux c'est ce côté-là que chaque monde pour elle sentir de sa à sa manière et pour elle différemment donc bon on pas empêcher ça parce que chaque monde recevoir un texte une musique de manière différente musique c'est émotion au départ musique c'est émotion oui. Les textes sont des émotions qu'on va essayer de transmettre le plus juste que possible de gens où tu voulais proposer public la lit le plus juste que possible et mais quand même chaque monde parle sentir leur manière leur façon de que recevoir lit donc on va pas empêcher ça. D'accord. Maintenant, nous y venons enfin, on va le faire résumé de ça me comprendre de texte là. Et après résumé là, on va si il y a une correction, on va apporter pour nous. Plutôt ne pas d'ami texte de 3 strophes et de 2 refrains du groupe Zeclair. Écrit par Joël Widmayer, fait voyager notre esprit de la magnifique verdure de Fursy tout en nous racontant l'histoire de deux amis dont le garçon est éperdument amoureux de sa confidente. Mais, par respect de ne pas perdre son ami, il préfère jouer le rôle de psychologue pour pouvoir la soulager tout en lui se faisant souffrir en l'écoutant. Arrivera-t-il un jour à avouer son amour au risque de perdre son ami? Les fans de Point Virgule, ainsi que moi, aimerions savoir la suite de cette histoire, peut-être dans un autre texte. Donc, à suivre. Ah, mais voilà, tu as touché le truc là qui est... Au fait, j'ai vu le succès de cette musique. Mais quand notre musique et notre mélodie, alors, si je peux dire, et moi, fait une suite de l'histoire, ça. Moi, bon, pour le moment, il s'appelle Piton Badzami Suite, et pour le moment, mais il parle bien pour Petite Pâle, et c'est la suite de l'histoire. Et je ne vais pas révéler la suite de l'histoire. Ah oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais. Heureusement. Donc, bon, il a à peu près le même monde là, et il à peu près même gens et pas la même mélodie. Pour rappeler mon couple, voilà. C'est très envie. Moi, ce musique que je fais, ouf, musique ça me fait depuis texte à l'écrit, il y a presque 8 ans, je ne sais pas comment j'écris ce texte, je n'ai jamais sorti cette musique. Bon, c'était ça ou bien Oriana que nous avons sorti à l'époque, et quand j'ai voulu remonter ou partir avec Zeclair un petit peu. Mm-hmm. C'était en 2006, 2007, 2008. Ça devait être en 2008, depuis en 2008, m'écrit texte ça, 2008, 2009. Et voilà, musique là, toujours, je me suis fini la musique là, et puis je me suis sorti une faible voix déjà, je chantais déjà. Et
Mais mon petit ben moi j'étais finir là même pas, on a jamais j'ai jamais sorti cette musique mais peut-être ça va sortir un jour. En tout cas, et fanatique point Vigilio, t'as bien content ou retourner avec suite là pour histoire capable boucler quand même. Non, en fait l'histoire en fait la suite de l'histoire vient ramener à ma vie un peu à ma vie réelle mais bon ça me dit que belle pour moi et à ma vie réelle qui a changé après ma vie a évolué et puis à ce que je vis aujourd'hui, à ce que j'ai vécu il y a quelques années, jusqu'à ce que je vis aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est formidable. Donc, et comme par hasard, ça, il soit venu mener dans. Ça m'a vu aujourd'hui, à ça que j'ai aujourd'hui. Parfait. Donc, Mes amis, voilà. Joël, point virgule, a dit au merci en pile. Merci parce que vous avez accepté l'invitation de tout cœur, sans pas même faire marchandage. Merci en pile. C'était un plaisir pour nous accueillir dans point virgule, dans l'émission ça. Merci en pile, Joël. Eh bien, merci, bon, c'est tout ton plaisir pour le café ça. Mais c'est pas des habitudes fait du tout, des analyses de texte. Je souhaite très bien pour Jeannio, justement, et pour mon capter les musiques, parce que c'est parce qu'on fait pas ça souvent ici. Et donc, on est avec Bia ici, tu fait l'analyse de texte à l'université avec Texlio, ce qui est très bien, je pense, avec les jeunes d'aujourd'hui. Mais ce qu'a fait ça pour les jeunes au diam, parce que c'est une très bonne chose pour nous comprendre. Comment écrit Texio, qui ça gagne les têtes à Tisla, comment il a écrit les textes, et les détails que tu donnes, les techniques, comment, qui ça gagne le texte, ça, techniquement. Et bon, anytime, n'importe l'ovelé, nous avons fait des autres textes, mais il y a des textes, je me passe comme moi-même, que je me passe comme écrit comme moi-même en pile. Et Cité Caton, Réchim mes inclins, et Rêve l'amour, moi, je me passe des textes à eux, et souvent, anytime, nous avons fait des petits palais sous eux, donc j'en voulais. Ça me bral fait. Me bral poser question sous point virgule. Dans tout texte sous cité là yo, nous bral ouais qui texte moun yo préféré pour nous commenter ensemble. Pas de problème, anytime. Merci. Avec plaisir. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Merci. Merci Joël. Mes Bonne amis, fin de soirée. merci. C'est comme ça, nous mettons un point virgule dans l'émission ça aujourd'hui. Bye bye, à la prochaine. Point virgule. Farine à la pluie, sous sa superficie, ou approchez-vous, votre le café m'a regardé, ou bien t'as caressé, ou t'as couru le jeu, qui s'est cap passé, qui lui raconte tes amis. Tout mouillé, petit cœur t'a tremblé, pour y venir qu'un bébé, on t'est si belle. Je me suis